Victor. Victor. Tu flippes. Non, pourquoi tu dis ça? Tu vas faire comment? Tu vas viser dans une fiole? Je vais essayer. T'arrives à te masturber sur commande, toi? Moi, j'arrive toujours pas. Cette nuit, j'ai mis une heure. Tu te rends compte? Une heure. C'était interminable. Tout ça pour quoi? Un orgasme de petit moineau. 4 secondes. Non, mais te fous pas de ma gueule, hein. J'attends mieux de la vie, moi. Mais t'es juste crevé, t'as pas de mec, c'est... Il se passe un truc très fort entre le nouvel expert et moi. Bonjour, docteur. Bonjour. On vous attend dans le box numéro 1. Bonjour, Malik. Chef, bonjour. C'est trop brutal de passer direct à la clope électronique, du coup j'alterne. Tu veux goûter? Ah non, non, merci. Mon grand-père, il a attendu d'avoir une attaque avant d'arrêter de fumer. Ah, c'est fort, c'est fort. Tu lui rappelles son grand-père. Je veux pas m'occuper d'elle. Femme, 38 ans, blessure à la cuisse, quoi, c'est trop basique pour tes grandes compétences? J'ai mes raisons. Tu la connais? S'il te plaît, Françoise. Jérôme est en pause. Il s'est tapé 3 polytraumas cette nuit. L'interne de garde s'est pété la jambe gauche en faisant du skate. Quel con. Sa remplaçante n'est pas encore arrivée. L'hôpital public est en sous-effectif. Et moi, j'ai terminé. Oh, t'as pas le choix. Comment on me trouvait? Je fais mon âge? Je sais pas, vous avez quel âge? Le vaccin du tétanos? Non mais comment ça, je fais n'importe quoi de ma vie, mais t'es gonflée, c'est quand même toi qui étais anti-vaccin quand j'étais petite. Oh, je voudrais que tu t'arrêtes. Bonjour Louise. Je crois que les hôpitaux, ça m'angoisse. C'est rien, c'est un coup de stress. Vos constantes sont OK? Pas d'atteinte vasculaire, tout va bien. Malik, j'ai besoin du protoxyde d'azote. Tu fais ça comment? J'ouvre un resto, je suis en plein travaux, je me suis blessée avec un bout de ferraille. J'ai trop cool d'attendre pour rentrer chez toi. C'est dingue, t'es vraiment médecin, hein? J'en ai jamais cru, vu comment t'avais foiré ta première année. Merci. J'ai plus besoin de vous. Ça va? Je te fais pas mal? Je plane, tu veux dire? C'est quoi ce truc que tu m'as donné? Un gaz qui t'a mis en sédation consciente pour les points de suture. Bouge pas trop, bouge pas trop. C'est bon, hein? C'est super bien. J'ai envie de t'arracher les yeux. Ça fait 20 ans que j'ai envie de t'arracher les yeux. Continuez, docteur. Je vous en prie. T'avais pas un grain de beauté, là? Il est de l'autre côté. Ici. Tu te souviens maintenant?
Ça y est ? C'est bon ? J'y arrive pas. C'est-à-dire, j'y arrive pas. Quoi ? Comment ça, c'est-à-dire ? J'y arrive pas, j'y arrive pas. Concentre-toi. Mais ça fait trois quarts d'heure que je veux qu'on se rentre. Bah, peut-être qu'inconsciemment, tu doutes. Tu doutes ? Mais non, j'aimerais bien t'y voir, toi. Tu crois quoi ? Tu crois que ça se fait comme ça, là ? Là, j'ai l'impression d'être au boulot, moi. Ok, je pense qu'il faut que t'interviennes. C'est légal ? Bonjour mademoiselle. Je voulais. Bonjour. On est sur le point de dire adieu à nos anciennes villas tout de suite maintenant. Vous êtes sûre ? J'ai peur. Ah, imagine les histoires qu'on lui racontera. Quand ta maman s'est fait larguer par sa copine... Ah déjà je t'arrête parce que c'est moi qui l'ai larguée. Quand ta maman a largué sa copine qui voulait pas de bébé, elle a retrouvé son amie d'enfance qui vivait avec son mec, et ils ont décidé de faire un bébé ensemble. Et ensuite, ton premier papa n'arrivait pas à jouer avec son zizi. Du coup, ton deuxième papa l'a aidé. Et tu es né. On y va ? Tu crois que c'est vrai qu'il faut lever les jambes pour que le sperme il agisse plus vite ? Ah ouais ? Ah ouais, ouais, ça c'est sûr. Bah, il me l'a dit, hein. Quelque chose. C'est le jour où on a couché ensemble pour la première fois, non ? Ouais, ton père était rentré dans la chambre, il nous avait surpris. Ça a toujours été mémorable pour nous. Hein. C'est bizarre qu'on soit pas croisés en 20 ans. Bon, on s'est croisés une fois, mais t'as fait semblant de pas me voir. Tu m'en veux encore ? Ah bah après toi, j'ai fait en sorte de plus jamais la quitter. Ça a bien marché. Et toi, t'es ça que j'ai le cœur de combien de filles ? Je peux avoir la même chose, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire de restaurant ? Ben, j'ouvre une petite cave à vin où je sers aussi à manger. Tu fais à manger ? Ben oui. Merci. Parce que j'ai des souvenirs de pâtes visuellement limite dégueu, mais alors au goût, c'est encore pire. Moi, j'avais 18 ans. À 18 ans, tu penses pas à faire les pâtes al dente, là ? Tu te souviens quand t'avais fini aux urgences ? Juste avant le cours de français ? Non, histoire. C'était le cours d'histoire. Non. T'es sûre ? Ah bah alors là, je suis allée deux fois aux urgences dans ma vie. Deux fois avec toi, en fait. Donc oui, je me souviens parfaitement. J'étais presque contente de savoir que j'allais louper le cours de ce psychopathe de Cervoni. Non ! Cervoni ! Aïe ! Qu'est-ce qui se passait, quoi, là ? On t'avait poussé, il y avait des types qui étaient venus avec... Mais non, on était assis par terre dans le couloir, et tout le monde déconnait, on tapait contre les murs et... L'extincteur qui était tombé sur... Attends, j'avais du sang, mais partout, quoi. Dans les cheveux, sur le visage. Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là ? Non, je crains le pire. Je pissais le sang et tu m'as dit « T'as jamais été aussi belle, Louise. » Non, je me souviens pas. Ah, c'est magnifique. Maman ? Ah ouais, bravo, hein. C'est cool, hein? C'est chic, c'est chic, mais c'est pas snob, tu vois. C'est, les matériaux sont... Ah, c'est vraiment bien. Bravo. J'adore le bar. Tu prends un verre? Non, en fait, non. Je me lève tôt demain matin, je suis crevé. Je vais y aller. Ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir. Ta jambe, ça va mieux ?
me lance un peu parfois. Montre. C'est très beau, ça. C'est vrai, tu m'as pas trop mal recousu. T'auras aucune cicatrice. T'auras la peau aussi douce qu'avant. C'est interdit d'avoir la peau aussi douce. Tu te rappelles de mes seins ? T'es là ? Ouais, ouais, je suis là, ouais. Tu dors pas ? Je me suis réveillé d'un coup, en plein milieu de la nuit. Impossible de me rendormir. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai fait une lessive. Ça me détend, tu me connais. Tu veux que je t'aide ? Si tu veux. Et toi, c'est bien passé ? Non. Des gens ont la mauvaise idée de mourir devant moi tous les jours, de prendre des murs dans la tronche et des couteaux dans le bide, alors non. Forcément, ça s'est pas bien passé, non ? Pourquoi tu m'agresses ? Mais ça fait 5 ans que tu me poses tous les jours la même question. Excuse-moi, je suis crevé. Ça va te calmer. Non. Ça séchera pas bien comme ça. Ah bon ? Je peux savoir pourquoi ? Parce que si tu mets la chaussette sur une barre, les deux parties se collent et l'air ne peut pas rentrer en contact avec le coton. Résultat, ça met des jours à sécher, voire ça peut moisir. Alors que si tu mets la chaussette sur deux barres, l'air peut circuler beaucoup plus facilement et du coup, ça sèche très rapidement. Quoi ? Je t'aime. Tu sais. Tu me fais des frissons, là. Faut appuyer sur un bouton pour que vous commenciez à parler. Excuse-nous. Ça va ? Mmh. Qu'est-ce que tu fais ? Je comptais depuis combien de jours une fille m'a pas embrassée sincèrement. 143. Encore, je suis pas tout à fait sûre que c'était sincère. Je rigole. Je regardais à quelle date exactement on saura si j'ai du retard. C'est une mécanique de précision, les bébés. Faut pas l'oublier.
Mais si vous voulez savoir, ça fait 173 jours sans amour. Au fait, t'as récupéré tes affaires chez Fanny? Non. Tu devrais. Pas de slip et trois t-shirts qui vont changer ma vie. Un manteau, quatre chemises, des vinyles... Des... Bon, c'est bon? Franchement, tu te rends pas service. Tu devrais... Stop! J'ai pas envie de parler de ça. Ce qui est fou, c'est que ça avait pas été aussi fort avec Jérémy depuis des mois, quoi. Tu te rends compte? Je me rends surtout compte que je vais pouvoir te draguer. Tu m'aides pas, là. Attends. Je me suis digéré, là. Ça fait quoi? 10 ans qu'on se connaît? Je savais même pas que t'étais bi. Non, je suis pas bi. Oui, bon, je sais rien. J'ai déjà été avec des filles, quoi, mais bon... Oh, je suis dans la merde, là. Tu baises avec deux personnes la même nuit et tu te plains? En même temps, c'est toi qui as raison. Tu fais même pas exprès, mais tu vis une utopie, là. Homo, bi, monogame, les étiquettes, ça fait 20e siècle, hein, ça stresse tout le monde. Toi, moi par exemple, je suis hétéro, je me fais chier. Prends des ségrins, après un AVP. On arrive, jeune homme. Tu peux me raconter ce qu'elle te fait, cette Louise, que 3,5 milliards de femmes te font pas? Pourquoi? Tu veux pas monter? Ah si, 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 si. Ben, on peut aller à pied aussi, si tu veux. Hein. Là, monsieur, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Waouh, waouh, waouh. T'aimes pas la vitesse? Je préfère rester en vie. Ça va? Vous m'attendiez? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, j'ai pas vu l'heure passer, là, le pot a duré plus longtemps que prévu. J'ai mes règles. Oh non. Et les gars, on se laisse pas abattre. Chier, putain. Mais ça aurait été un gros coup de chance que ça marche du premier coup. Y a pas de raison de s'inquiéter. Moi, j'y crois. Tu sais quoi, j'envoie un mail à la clinique, on y retourne. C'est pas un peu trop tôt? Non, je peux pas rester sur un échec, on y retourne. Et puis, ben, si jamais ça marche le midi, moi j'ouvre aussi le soir. Je vais voir là. Ça va marcher. Ah, mais tu crois, mais je sais pas, je carrément. Sais pas. T'as combien de couverts, là? Une petite vingtaine. Bon, allez, on boit un coup. Mmh. Ouais. Il est très en retard, le premier et unique grand amour de ta vie, non? Il est très occupé, c'est son seul défaut. Elle est très amoureuse. On dirait du cidre. C'est du vin naturel. On dirait du cidre naturel, tu vois. Parce qu'il faut que tu le laisses aérer un peu. Allez, respire petit, hein, mets-toi à l'aise. Ah. Bonsoir. Excusez-moi, hein, je suis en retard. Alors Elsa. Bonsoir. Salut. Hector.
Salut. Mehdi. Pardon, Hector. On se connaît, non? Non. Enfin, oui, peut-être, je crois pas. Bon, tu viens, il faut que je te montre un truc, j'ai appris ça aujourd'hui. Oh, c'est lui, hein. Il n'est pas hétéro, ce mec. Quoi? Il est homo. Oh, mais c'est pas parce que toi t'es pété que tout le monde il est pété. Non, ça s'agit pas de ça. C'est que. Il est pété. Mais t'es sûr? Ah, 100%. J'ai souvent vu au Zanzibar quand j'étais serveur. Après, on pourrait aller chez toi, j'ai assez envie de connaître l'endroit où tu es. Oh, tu sais, chez moi, c'est pas terrible. Puis là, j'enchaîne les gardes, c'est un peu le bordel. Si ça se trouve, tu manques juste d'imagination. Ouais. De quoi vous parlez? D'Hector. Oh. C'est un sujet de conversation hyper intéressant. Louise m'a dit que tu suis des équipes de sport en plus de ton travail. Ouais. Ouais, ça change du train-train quotidien, quoi. Et quel sport? Plein de différents. Volleyball, handball, basket. Et tu vas dans les vestiaires? Ouais, ça fait partie du boulot, ouais. Attends, t'es là quand les joueurs se douchent? Ouais, ça m'arrive. raconte. Mais non, y a rien à raconter. Ils sont nus, voilà. Ouais, t'as accès à une diversité de bites incroyable pour un hétéro, non? C'est vrai, ça, c'était laquelle la plus étonnante, j'allais dire. Je sais pas, j'ai pas de souvenirs précis, comme ça je prends pas de notes. Hein. Allez, vas-y, fais un petit effort de mémoire, tu vois bien que ça intéresse tout le monde, là. Si, je me souviens d'un bulgare, un joueur de handball, un mec super bien gaulé, enfin un type costaud, enfin un joueur de handball, quoi. Et le mec, il avait un espèce de... truc, hein. C'était... un pénis énorme. Oh. Même au repos, on avait l'impression qu'il était en érection. Dragomir. Il s'appelait Dragomir. Et t'as couché avec Dragomir? Quoi, ce... Tu réponds pas à la question? Bah... Je pas... Bah t'as déjà couché avec un mec? Je voudrais savoir, je suis pas au courant. J'ouvre une bouteille? Ouais, ça m'est arrivé, oui. Mehdi, tu fermeras, s'il te plaît. Louise. Je suis quoi, alors? Je suis une expérience? Pas du tout. T'as un mec dans ta vie? Non, évidemment que non. De toute façon, j'ai pas ce qu'il te faut. Comment tu peux dire ça? Nos retrouvailles sont aussi bouleversantes pour toi que pour moi. Oh, pauvre chou.